Messieurs et dames, deuxième version Critique Info. Dans sa première partie, nous allons évoquer la question de la Mouka. La deuxième partie de la deuxième version, nous allons parler du problème congolais. J'essaierai d'apporter ma contribution sur l'affaissement, la destruction de notre idéal et voir pourquoi sommes-nous arrivés là et que faire. C'est vrai, la problématique, nous allons la régler prochainement. Mais là, pour l'instant, permettez-moi de vous lire le journal. Il y a le potentiel, parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait eu que deux journaux. Le potentiel qui titre « La Mouka, un test d'apaisement ». C'est vrai, Martin Fayulu a tout le droit possible de revendiquer sa victoire s'il estime avoir été élu. Il se pose un problème ici. Martin Fayulu crie et clame qu'il a gagné les élections présidentielles et que Félix Antoine Tshisekedi serait nommé et non élu. Alors, je ne veux pas rappeler parce que vous connaissez comment ça s'est passé. Aujourd'hui, nous nous trouvons une scène terrible quand même où deux Tshisekedistes se battent. Où deux Tshisekedistes se disputent les urnes, la vérité des urnes. J'aimerais dire aux Congolais une chose, et c'est vraiment capital. Chers frères, chères sœurs, ce pays nous appartient tous. Ça n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays nous appartient. Et si ce pays nous appartient, nous devons travailler dans le sens de montrer aux gens et à la face du monde que ce pays nous appartient réellement. Quand le pays vous appartient réellement, vous devez sauvegarder les acquis de ce pays-là. Vous ne devez pas détruire les acquis. Nous avons fait des très grands pas pour avoir une démocratie. Nous avons fait des longs pas pour avoir une sorte de liberté d'expression. C'est vrai, notre liberté d'expression n'est pas encore consolidée parce qu'il y a encore des gens qui meurent parce qu'ils ont dit oui, il y en a qui meurent parce qu'ils ont dit non. Nous courons encore des risques d'arrestation, des privations de liberté, des licenciements. On nous chasse dans le boulot parce que nous disons la vérité. C'est vrai, la liberté d'expression n'est pas encore intériorisée. Mais par la façade, nous pouvons encore la voir. Ce que nous ne pouvons pas voir au Rwanda, ce qu'on ne peut pas voir au Gabon, ce qu'on ne peut pas voir à Brazzaville, nous voyons ça chez nous au Congo. Quitte à nous maintenant de consolider, de travailler pour que ça marche. Mais je suis sidéré quand j'entends les gens dire « Martin Fayulu n'a pas le droit de revendiquer ». Non, Martin Fayulu a bel et bien droit de revendiquer sa victoire s'il estime avoir réussi sa victoire. Le problème, c'est maintenant comment il le fait et pour quelle fin le fait-il. C'est ça ce qui est très important. Et pour, en ce qui concerne comment va-t-il le faire et pourquoi va-t-il le faire, ça ne répond pas à une logique juridique, mais ça le répond à une logique politique. Et une logique politique a toujours été irrationnelle par rapport à l'entente juridique. Donc moi, je ne peux pas interdire à un politicien de mener sa vie politique et sa carrière politique. Il sait lui-même ce qu'il veut, il sait lui-même ce qu'il cherche. Les politiciens ne font rien pour rien, ils savent ce qu'ils font. Et moi, je dis bravo, faites-le. Mais maintenant, en ce moment, nous demandons à Félix Tshisekedi, et vous l'avez remarqué, que tout va bien se passer. Nous prions que ça se passe bien. Nous ne voulons pas qu'il y ait de heurte là-bas. C'est pourquoi nous demandons et aux ceux qui vont, et à ceux qui vont être appelés à contenir la foule, de laisser les gens marcher librement, aller faire leur meeting librement. Nous ne voulons pas qu'on vienne les surprendre, et surtout pas les interdire. Non, ça va être vraiment anormal, aujourd'hui, encore une fois, que M. Martin Fayulu soit interdit, ou soit empêché, ou soit que son cortège change d'itinéraire. Nous ne voulons pas entendre ça. Nous ne voulons pas entendre ça. Nous voulons que monsieur parte faire son meeting convenablement, qu'il parle à son peuple convenablement et qu'il dise au peuple ce qu'il pense être vérité. Et que c'est au peuple à lui-même de voir. Voilà pourquoi moi je me suis interdit formellement de critiquer la question. Je ne apporterai aucune analyse sur ce qui va se passer là-bas. Parce que j'estime que nous sommes dans une démocratie. Nous devons travailler cette démocratie. Moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, vous n'êtes pas dans une démocratie. Bon, c'est à vous de voir. Il n'y a aucune démocratie totale et complète dans le monde. Personne n'a la démocratie totale dans le monde. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez des oubliés de la démocratie. Si vous allez en France, vous trouverez des abus de la démocratie. Si vous allez en Chine, vous trouverez des abus de la démocratie. Mais à des proportions différentes, on est tout à fait d'accord. Mais la démocratie n'est pas un plan de Dieu. Non.
La démocratie, ce n'est pas un cadeau de Dieu. La démocratie est un effort des hommes. Ce sont les hommes qui font un travail pour finalement concrétiser la démocratie, la définir, la comprendre et la mettre au service de tout le monde, afin que ça puisse garantir et protéger tout le monde. Il n'y a pas de démocratie sans sous-développement. Il n'y a pas de démocratie dans un sous-développement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible que vous soyez sous-développé et démocrate. Ce n'est pas possible. Pour parler de la démocratie efficacement, vous devez parler aussi efficacement du développement. Parce que dans la démocratie, je vous ai parlé l'autre fois qu'il y avait deux piliers. Il y a les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Le droit fondamental, c'est aussi le travail. C'est aussi le droit à la grève. C'est aussi le droit à un bon salaire, à une bonne rémunération. C'est aussi le droit d'envoyer les enfants à l'école. Quand vous n'avez pas ces choses-là, vos droits sont bloqués. Et si vos droits sont bloqués, c'est que la démocratie est constipée. Et c'est comme un peu au Congo, nous avons une démocratie constipée. Constipée par quoi? Constipée par le retard que les droits fondamentaux rencontrent dans la vie des gens. Les gens ne peuvent pas s'exprimer librement parce qu'il y a des pesanteurs politiques de l'autre côté, des pesanteurs sociologiques de l'autre côté. Donc je crois qu'il faudrait travailler sur base de cela. Et donc ça va être un premier test pour Martin Fayulu. Pourquoi un premier test pour Félix? Pourquoi? Parce qu'on va voir comment il va gérer cette affaire. Et aussi un test pour Martin Fayulu, parce que si Martin Fayulu, parce que d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas, il y aura une sorte de comparaison entre la foule qui a été à l'investiture, et la foule qui sera au niveau de la Mouka. Les gens vont comparer. Les gens, ne vous en faites pas, les gens vont comparer. Vous allez voir les images à gauche, l'investiture, à droite, ainsi de suite. Donc vous verrez. Donc Martin Fayulu a besoin d'avoir un nombre de gens importants à Sainte-Thérèse, qu'il ait un plein débordant et craquant pour justifier au fait en réalité qu'il a été élu. Mais même alors, il le fait à Kin. Martin a été élu sur l'étendue du territoire congolais. Donc ceux qui sont à Kouloubokou ne viendront pas. Ceux qui sont à Malembankoulou ne viendront pas. Ceux qui sont par exemple à Routchourou ne viendront pas. Mais ces gens sont de cœur avec Martin Fayulu. Le problème ici, c'est que ceux qui viendront à Sainte-Thérèse ne sont pas forcément ceux-là qui ont voté pour Martin. Parce que vous trouvez des petits enfants de 5 ans, pardon, de 10 ans, de 15 ans, qui ne sont pas des électeurs. Vous risquez de trouver tout le monde, même des gens qui ont voté pour Félix. Vous risquez de trouver tout le monde, les curieux et tout. Le plein qu'il y aura là-bas ne justifie pas forcément les électeurs, ne justifie pas forcément l'électorat. Ça signifie par contre une sorte d'adhésion. C'est-à-dire les gens vous aiment, les gens viennent vous écouter. Et quitte à vous de jouer votre jeu. C'est ça le plus grand problème. Mais messieurs et dames, pourquoi le Congolais n'arrive pas à s'entendre sur des points aussi élémentaires? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir ce qu'il faut au Congo? J'essaie de répondre. Vous allez, mesdames et messieurs, me donner votre point de vue, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Réfléchissons un peu. Comment pouvons-nous être tshisekédistes et combattre son fils? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut être tshisekédiste et combattre le fils Tshisekedi? Je dis oui, possible. On peut être tshisekédiste et combattre le fils Tshisekedi si l'on pense que le fils a trahi le combat de son père. Accord. Je continue à être tshisekédiste, mais je ne continue pas la lutte avec son fils parce que j'estime que son fils est sorti de la ligne. Tout à fait normal. Mais maintenant, est-ce qu'on peut être tshisekédiste et être contre l'UDPS? Oui, je peux être tshisekédiste. Je garde la philosophie de Tshisekedi et je ne suis pas UDPSien dans la mesure où je pense que l'UDPS n'est pas en train de suivre la logique de son du président, c'est-à-dire de son géniteur. Réfléchissons maintenant bien. Est-ce possible de dissocier UDPS et Étienne Tshisekedi? Là, il y a un problème sérieux qui se pose. Parce que l'UDPS ne fait que continuer le combat d'Étienne Tshisekedi. L'état de droit, la démocratisation, la réappropriation du Congo, la valeur de l'homme congolais et tout le reste que vous connaissez. Et c'est ce que l'UDPS continue à prôner. C'est ce que le fils Tshisekedi a continué à prôner. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Si on n'est pas d'accord, je comprends. Ça, ce sont des détails. Ce ne sont pas des principes. Ça ne peut pas nous diviser. Ce ne sont que des détails. C'était une question que j'ai jetée en l'air. C'est à vous maintenant de voir. Aujourd'hui, vous avez Martin Fayulu qui est tshisekédiste. Un des meilleurs élèves d'ailleurs de Étienne Tshisekedi. Et vous avez le fils biologique de Tshisekedi qui était le secrétaire permanent au niveau des relations extérieures au niveau de l'UDPS pendant que son père était vivant. Donc, les deux sont, je veux dire, des vrais, alors, tshisekédistes. Mais pourquoi ne s'entendent-ils pas? J'aimerais dire aux Congolais une chose.
Pensez-vous que si Félix, moi je ne suis pas d'accord, moi personnellement, hein, ça n'engage que moi et ce n'est vraiment pas un avis à prendre au sérieux, ou si vous voulez prendre au sérieux, c'est vous qui voyez. Je ne pense pas que c'est normal, je ne soutiens pas la thèse que Martin Fayulu s'aligne derrière Félix. Non, je ne vois pas ça comme bien. Dans la mesure où Martin Fayulu incarne une sorte d'injustice, hein, il incarne entre guillemets une sorte d'injustice, une sorte d'inégalité, une sorte de frustration. Il incarne cela. Il doit porter ça maintenant, transformer ça en termes de loi, en termes de rigueur parlementaire. J'ai entendu le Congolais dire une chose, et c'était dans des débats d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, vous savez? Ils ont dit, non, écoutez, Kabila a la majorité présidentielle, parlementaire, et ce sont eux qui vont travailler pour le Congo. Pardon, ils vont travailler, ils vont conserver le pouvoir, ils vont faire ce qu'ils veulent. Moi, je me pose une question. Qui sont censés contrôler l'exécutif? Ne voyez-vous pas que c'est Kabila finalement qui est devant un fait accompli? Parce que s'il y a échec, ça sera lui. Vous savez, l'exécutif est responsable au niveau du Parlement. Ce n'est pas le président de la République. Le président peut dire que j'avais des bonnes idées, mais on m'avait bloqué. Il peut le dire. J'avais des idées, on avait bloqué. C'est maintenant, c'est pourquoi je dis toujours que c'est Kabila qui a la... C'est à lui la charge maintenant, qui arrive à la charge. Il a une majorité. Que va-t-il faire? Il aura la massie. La cohabitation est déclarée, est constatée. Si la majorité parlementaire est constatée, qu'est-ce qui va se passer? Kabila aura une force au niveau de la majorité présidentielle, pardon, au niveau du Parlement, beaucoup de députés. Kabila aura beaucoup de ministres aussi, à son obédience. Réfléchissons maintenant. Il y a des tournements, un ministre a volé. Félix Tshisekedi dit non, le ministre doit être démis de ses fonctions parce qu'il a volé, voici les preuves. Et la majorité parlementaire dit non, on ne va pas le faire partir parce que nous sommes de la majorité. Mais le peuple va trancher. Le peuple dira, ah bon? Donc vous protégez les voleurs, vous protégez les mafieux. En ce moment-là, vous donnerez la possibilité au président de la République de dissoudre le Parlement s'il veut. En ce moment-là, le président de la République peut dire, ok, on va au référendum, le peuple va décider sur le sort des choses. Et le peuple va décider. Donc vous donnez encore une fois à Félix la possibilité de faire le référendum. Excusez-moi de l'avoir dit, je n'ai vraiment pas envie de le dire. J'ai promis à beaucoup de personnes que je n'en parlerai pas. Parce que j'estime que quand on donne des idées comme ça, il y a des gens qui prennent ces idées-là, qui vont tourner ça contre nous. Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui. Le camp qui aime le peuple et le camp qui n'aime pas le peuple. Nous appartenons dans le camp qui aime le peuple. Voilà pourquoi nous donnons nos idées comme ça à la télévision et partout. Mais il y en a qui n'aiment pas le peuple, qui prennent nos idées, qui vont le contredire, qui vont le contrecarrer, qui vont travailler dans un labo pour justement le contrecarrer. Et si le contrecarre, c'est nous qui avons mal joué le jeu. Donc vous donnez des brèches et des brèches et des brèches et des brèches à Félix Tshisekedi de travailler convenablement et de faire le boulot qu'il faut. Et d'être réélu même en 2023 si possible. Pourquoi? Parce qu'il sera devant des gens qui vont commencer à le bloquer à tout moment. Et si on le bloque à tout moment, il ne va rien faire que de se présenter au peuple comme une victime en disant, écoutez, voilà, les belles idées sont là. Mais voilà ceux qui le bloquent sont ceux-là. Et vous pensez que quand on vous dit celui qui vous empêche d'avoir votre salaire, c'est lui, vous allez les laisser? Vous allez oublier la logique, il a triché, vous oublierez ça. Vous allez être focalisé sur celui qui nous bloque, c'est maintenant lui, il faut le faire partir. Et il y aura des pétitions, des pétitions, des pétitions. Or, ce régime de Kabila a besoin de continuer longtemps, le plus longtemps que possible. Donc ils seront obligés de travailler correctement, ils seront obligés de faire un contrôle parlementaire sérieux, de contrôler l'exécutif, de faire partir certains ministres, de faire arrêter certains mandataires publics, de faire arrêter, de faire arrêter, de faire arrêter. Et en ces moments-là, s'ils le font ça, ils font le bien, c'est Félix qui a la gloire. S'ils font le mal, Félix est victimisé. Donc dans tous les sens, le gars est protégé. Dans tous les sens. Si vous refusez de faire le bon travail, il va dire à la population, cher peuple, voilà ce que nous on voulait faire, mais voilà, eux ils ont bloqué. Et le peuple va dire, ah bon? Donc si nous sommes en train de souffrir, c'est parce que c'est vous qui bloquez. Voyez-vous les rapports qu'on met? Dans quel état on va mettre les députés nationaux face au peuple? Et là, les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas vu venir cette chose-là. C'est pourquoi j'avais dit, si monsieur est entouré, et bien entouré, c'est tout de suite. Ça ne prend pas 6 mois. Je vous dis la vérité, mesdames et messieurs, ça ne prend pas 6 mois. Moi, je suis en train d'observer 1 an pour voir comment ça va se passer. Parce qu'il y a toutes les manouvelles. Il a tous les leviers avec lui pour dynamiter, pour travailler, pour faire les choses bien. Une année. Il y a toutes les possibilités pour le faire. Donc, mesdames et messieurs, c'est de ce côté-là, je vous demande, observons tous ensemble. Observons tous ensemble. Nous, on n'est pas des petits frères de Félix. Non. Nous ne sommes pas les enfants du président. Non. Nous ne sommes pas les travailleurs du président, nous sommes des Congolais, des citoyens congolais. Donc nous devons être vigilants pour regarder le président comment il travaille. S'il travaille bien,
S'ils travaillent mal, il y a des grognes. Et nous travaillons pour dire au président, reviens sur la voie normale, reviens sur la voie, reviens sur la voie. C'est ce qu'on va faire. Et je vous invite à le faire. Ça va être une chose bien, bien, beaucoup plus importante. Alors, au moins, donne-moi combien de minutes il me reste. Comme ça, j'ai 5 minutes seulement. Oh. Ah, d'accord, on a le temps. On m'a dit qu'on a le temps, on a le temps. Je voudrais vous parler, mesdames et messieurs, du problème congolais. C'est une analyse que j'aimerais faire avec vous pour que nous puissions comprendre le mal est parti d'où. Pour qu'on ait la classe politique que nous avons aujourd'hui. Et je essaierai un peu de m'expliquer. Peut-être c'est le cas pour d'autres pays aussi. Le problème du Congo, c'est le problème de son élite. J'entends les gens dire les problèmes d'hommes, système et tout. C'est vrai, je suis d'accord avec eux. Mais il y a un problème de l'élite. C'est cette élite qui a été faussée dans son ADN. L'élite a été transformée dans son ADN. L'élite qu'on a présentée aux Congolais, ce n'est pas une élite. Non, c'est un porteur de diplôme. C'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui a étudié. C'est un homme instruit, mais pas un homme éduqué. Pas un homme poli, pas un homme modéré. Ce sont des hommes généralement frustrés. Des parvenus pour la plupart des cas. Ils ne sont pas porteurs de solutions. Ils sont plutôt porteurs de problèmes. À chaque fois qu'ils parlent de liberté, c'est leur liberté à eux. Leur liberté de voler, leur liberté de tricher, leur liberté de mentir, pas la liberté du peuple. Ce sont, comme mon ami Alex en Suisse m'a une fois dit, ce sont simplement des manipulateurs et des marionnettes de blancs. C'est eux qu'on appelle élite. Et quand vous le voyez revenir des grandes universités, il dit, je suis professeur d'université, vous tremblez. Mais à quoi ça sert d'être professeur si vous ne réglez pas les problèmes de votre propre pays? À quoi ça sert d'être professeur de sciences politiques si vos sciences politiques au Congo sont mortes? À quoi ça sert d'être professeur en neurologie si le neurone de ta population est détruit? À quoi sert d'être un professeur en architecture si votre pays n'a aucune architecture? À quoi sert d'être un professeur de droit si ton pays n'a aucun droit? À quoi sert d'être un ingénieur s'il n'y a aucune intelligence d'ingénierie chez vous? À quoi ça sert? C'est ainsi que vous avez des diplômés inadaptés. C'est ainsi que vous avez des diplômés inadaptés, des gens qui ne sont pas adaptés aux conditions. C'est comme un dinosaure qui va vivre au désert. Il est gros, mais pour rien. C'est comme un lion que vous mettez dans l'eau, il va se noyer. Ce n'est pas son habitat naturel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce Congo est malade, malade de ses intellectuels. Il faut qu'on le dise. Tout part d'où? J'explique. Moi, j'ai pris trois axes. L'époque coloniale, j'ai pris l'époque post-coloniale, mais là, c'est vraiment la courte période. Je prends de 1885 à 1860, c'est là, l'époque coloniale. Et puis, nous avons eu l'époque de 1960 à 1965. Et puis, on va avoir de 1965 à 97. Et puis, on aura peut-être, si vous voulez, parce que de 97 en 2018. Mais si vous voulez, nous pouvons encore scinder de 2001 en 2018. On va voir avec vous. Mesdames et messieurs, je n'ai pas le monopole de l'intelligence. Hein. On va voir avec vous comment l'intellectuel, comment l'élite congolaise a été formée et pour quel but avait-il été formé. Je m'explique. Nous sommes en 1985, en 1960. Prenons l'époque coloniale. Quand les colons arrivent ici au Congo, le colon forme les Congolais. Alors, mes mesures, bien sûr, il y a eu beaucoup de bévures, beaucoup de désordres, beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes là au-dessus. Mais les colons ont formé un type d'homme qu'il avait estimé des hommes évolués. C'est vrai, c'est un terme, je vais dire ringard, mais prenons ça dans cette logique-là. Il a trouvé des hommes qu'il a lui-même appelés des évolués. Évolués par rapport à qui? Par rapport à quoi? Évolués par rapport à la masse. Et il avait des critères bien établis. Ces critères étaient basés sur la probité morale de chacun, sur le caractère de probité, le caractère de moralité,
les caractères du témoignage, des gens qui avaient un bon témoignage, des gens qui avaient une sympathie de toute de la collectivité, et des gens qui étaient aptes intellectuellement, des gens qui étaient assez éclairés. Ce sont eux que le blanc avait appelés, caporalisés un peu, je vais le dire comme ça, mais formés pour un but donné. Mais ces gens avaient démontré qu'ils étaient extrêmement intelligents et qu'ils étonnaient les blancs. Certains livres d'histoire racontent que les noirs, on l'apprenait deux choses, mais l'apprenait déjà quatre, cinq, six. Il avait une intelligence séquentielle. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de poches. Il pouvait emmagasiner beaucoup de choses dans une même tête, ce que les blancs ne pouvaient pas faire. Les blancs étaient des hommes, à un moment donné, on dirait rationnels et carrés sur un objectif. Bref, la logique des spécialistes. Alors que les noirs étaient dans une histoire de généralisme. Ils pouvaient prendre tous les éléments en un. Et ce qui fait qu'on va les appeler généralement des évolués. Et parmi les évolués, il y a des figures. Je citerai par exemple la figure de Kassavubu. Kassavubu était le type d'un évolué. Il a fait les séminaires, il a été suivi pendant son parcours, et c'est quelqu'un sur qui n'a pesé aucune accusation de détournement, pas du tout. C'est le seul président congolais qui a laissé l'argent dans le trésor public. C'est le seul président congolais quand il signait une mission de service et il rentrait, il retournait l'argent dans le trésor. C'est le seul. Parce que dans la formation qu'il avait eue, c'était une formation qu'on ne vole pas, qu'on ne triche pas et qu'on n'écrit pas, on parle toujours poliment. Et monsieur appelait tout le monde monsieur. Tout le monde monsieur, c'était par rapport à l'éducation qu'il avait, monsieur Kassavubu. On l'appelait Mou, mais je vous dirai comment et pourquoi on l'a appelé Mou. Nous sommes en 1960. Mais quand on arrive en 1960, que les gens veulent l'indépendance, ça a bien commencé, c'est pas en 60, hein, ça a commencé en 67, il y en a même qui parlent de 54, 55, 56, les mouvements ont commencé déjà, bien avant. C'est en 59 qu'on va finalement penser à créer une constitution, en réalité c'est le mimétisme de la constitution d'un royaume qu'on va venir transplanter dans une république. Ce qui était quand même bizarre. Vous allez voir aussi, le monsieur Kassavubu va s'habiller un peu comme le roi, Léopold II. Voilà pourquoi lui, on l'a appelé le prince Kassavubu. On l'appelait prince, un peu le fils du roi, Léopold II. Est-ce que vous comprenez un peu? C'était ça aussi un peu une petite bêtise. La constitution, la loi fondamentale a été écrite, élaborée et même promulguée en mai. Mai 1960, soit un mois avant votre indépendance. Je ne comprends pas comment vous commencez une république avec une loi d'un royaume, mais surtout une loi d'avant. C'était assez compliqué sur la question. Mais on a eu des gens, des évolués, qui n'avaient pas fait de très longues études en ce moment-là, mais des études sérieuses. Il va se placer deux blocs. Le bloc des évolués, ça veut dire, eux, ils voulaient l'indépendance, mais ils voulaient l'indépendance progressive. C'était là l'opinion de Kassavubu. Au départ, Kassavubu voulait l'indépendance, mais il la voulait progressive. Parce qu'il voyait l'immensité du pays. Il comprenait que le Congo était un très grand pays et qu'en ce moment-là, on n'avait même pas 200 intellectuels. Lumumba n'était qu'un primérien. On n'avait pas 200 intellectuels. On avait un nombre très réduit d'intellectuels, donc ils ne pouvaient pas répondre aux besoins du Congo. Alors qu'en ce moment-là, les Blancs étaient partout à travers le Congo, même à la forêt Salongo. Ils étaient déjà là. Salonga, pardon. Donc il fallait maintenant changer ça. Et Kassavubu se mettait dans une situation d'impossibilité. Il dit non, je ne vois pas comment ça va se passer. Je ne vois pas et je ne comprends pas comment nous allons réussir cette histoire. Il faudrait qu'on ne chasse pas les Blancs, qu'on les garde. C'est l'hypothèse, c'est la logique que l'Afrique du Sud a eu à faire. On ne chasse pas les Blancs, c'est Mandela qui dit, ne chassons pas les Blancs, gardons-le. Formons le Noir. Si le Noir atteint le niveau du Blanc, le Blanc rentre, le Noir le remplace. C'était là la philosophie. Et Kassavubu avait la même philosophie. Il dit non, n'allons pas avec une indépendance tout de suite, parce que ça va avoir des répercussions sérieuses sur notre pays. Parce que, mesdames et messieurs, regardez. Si vous chassez, il y avait un problème entre, la belle illustration c'est la magie et les magiciens. Les deux fonctionnent concomitamment. À l'absence de l'un, l'autre ne peut rien faire. Si vous avez la magie et que vous n'avez pas les magiciens, qui va faire la magie? Parce que celui qui fait la magie, c'est le magicien. Et celui qui fait la force du magicien, c'est la magie. Donc vous devez garder les choses, les deux choses ensemble pour travailler. Ou vous formez le magicien pour qu'il opère la magie, ou vous changez carrément la magie et vous avez vos propres magiciens. Ce qui n'a pas été le cas avec nous. Nous n'avons pas créé une autre intelligence avec des autres intellectuels. Non, on a voulu garder la magie du blanc
avec les intellectuels congolais. Ça ne pouvait pas marcher, il y a eu divorce en ce moment-là. Et le divorce est caractérisé en quoi? Dans la zaïranisation. Il faut chasser tous les blancs, garder leurs produits, garder leurs commerces, garder leurs plantations. Ce qui va créer un, ce qui va faire un tollé général et une destruction terrible. Donc vous comprenez qu'à l'époque où on a eu une étape, des gens qui demandaient une indépendance progressive, ça veut dire Kasavubu. Et tout de suite, vous aviez eu des gens qui demandaient une indépendance immédiate, des gens comme Lumumba. Et Lumumba n'était pas seul, ils étaient nombreux. Des gens qui voulaient l'indépendance immédiate, qui partent maintenant. Mais si vous regardez, vous observez calmement, tranquillement, froidement, vous allez comprendre que ces deux blocs étaient caractérisés par deux choses. Le premier bloc, ça veut dire les indépendantistes progressifs n'avaient aucun problème avec l'administration. C'était des gens qu'on n'avait jamais poursuivis. C'était des gens qui n'avaient pas de problème vraiment. Mais si vous regardez le camp des indépendantistes immédiats, c'était des gens qui avaient des problèmes, des récalés de justice, des récalés de l'administration. Je veux dire, des gens qui étaient impulsés par les mouvements insurrectionnels, les cas de Lumumba et des autres. Du coup, vous vous dites, mais c'est une des questions. Est-ce que les Lumumba demandaient l'indépendance ou demandaient les règlements de comptes? Est-ce que c'était un mouvement porté par des hommes jaloux ou par des hommes impulsifs ou des hommes réfléchis? Parce que d'un côté, vous avez des impulsifs, des gens qui disent indépendance immédiate maintenant. Mais vous n'avez pas vous n'avez pas le contrôle de vos routes. Vous n'avez pas le contrôle de vos parcs nationaux. Vous n'avez même pas le contrôle de votre propre armée. Vous n'avez pas le contrôle de votre propre police. Mais comment voulez-vous faire partir les Blancs tout de suite et recommencer à zéro? Par quoi vous allez recommencer à zéro? Parce que la nature a horreur du vide. Quand les intellectuels partent, vous allez mettre des aventuriers là-bas. Et c'est ainsi que, comme vous savez, le peuple avait souffrait aussi, c'est vrai, on a exploité la question de la souffrance du peuple. On est tombé dans une sorte de populisme. Les Blancs sont notre problème. Les Blancs sont notre problème. Ils nous ont tapé. On a rappelé les choses qui ont été déjà abolies. Hein. Parce que je veux dire, dans l'époque coloniale, on ne coupait pas les bras. Hein. À l'époque coloniale, on ne coupait plus les bras. On coupait les bras à l'époque de l'esclavagisme. Pas sur l'époque coloniale. L'époque coloniale, c'était déjà une sorte de mise en garde. Le roi Léopold II ne pouvait plus faire ces exactions-là. Commettre des exactions qu'il faisait. C'était maintenant des crimes économiques. C'était plus des crimes des gens comme ça. Et du coup, on va dire non, 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 non. Et finalement, les Noirs vont dire, ah c'est vrai, si on chasse les Blancs, on prendra leur ferme. Si on chasse les Blancs, on va garder leur voiture. Si on chasse les Blancs, on va prendre leur entreprise. Et ce qui a suscité l'envie, ceux qui travaillent pour les Blancs, pensaient faire partir les Blancs, pas pour le pays, non, pour prendre leurs affaires. Et du coup, la belle idée de l'indépendance va finalement s'écarter très loin de nous. Parce que l'envie de gagner les matériels a finalement remplacé l'envie de libérer tout un peuple. Les historiens rappellent que M. Lumumba n'est jamais allé à Mbandaka. Je ne sais pas s'il est déjà allé là-bas. Il n'est jamais allé à Mbandaka. Il n'est jamais allé à Bassankousu. Il n'est jamais allé à Bungandanga. Il n'est jamais allé à Rutshuru, à Vichumvi, à Kanyabayonga. En fait, il n'a jamais fait le tour du Congo entier. Non, pas du tout. Il n'a jamais fait le tour du Congo. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas l'immensité de ce pays. Il a fait des tours, c'est vrai, mais il ne connaissait pas l'immensité de ce pays. Loin de moi, l'idée de critiquer Lumumba, c'est quelqu'un de très important pour notre pays, mais l'histoire a besoin d'être rétablie. Il faut refaire l'histoire. Donc vous avez compris que ce mouvement des indépendantistes immédiats a finalement gagné le mouvement des indépendantistes progressistes. Et on a même eu un blanc, Van Bilissen, qui a dit « Non, nous voulons vous donner l'indépendance, mais accordez-nous encore 25 ans. Nous voulons aller jusqu'en 1990. Ah non, c'est une insulte, on ne peut pas supporter. Vous nous avez humiliés. Ah là, ok, départ, partez. Et vous avez vu les Blancs, comment ils ont été violés. Il y en a qui ont été violés, il y en a qui ont été chassés, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été molestés. Et ces Blancs, quand ils sont partis, les usines sont tombées, quelques temps après. Quand les usines sont tombées, les Blancs ont eu une sorte de haine contre Lumumba, vraiment une haine. Ils disent, mais pourquoi ce gars nous hait comme ça? On va lui régler le compte. On va lui régler le compte, ce monsieur. Il nous a fait chuter. Il nous a. Et du coup, il y a eu une sorte de règlement de compte entre eux. On ne sait pas qui a commencé. Est-ce Lumumba qui a commencé parce qu'on les a battus? Est-ce vivre dans l'oppression, ce qui a poussé cela? Donc, il y a des choses à dire. Donc, c'était une histoire entre indépendance ou règlement de compte. Du coup, la vraie sélection des gens posés, réfléchis, modérés, calmes,
humble, orienté, va être brutalement faussé et va faire place à ce que moi j'appelle l'entrée des perturbateurs, des impulsifs, des populistes, des manipulateurs, bref, des inaptes intellectuels. Et on va entrer tout de suite dans l'autre étape. C'est quelle étape? Vous y pouvez vous imaginer déjà. C'est en 1965, de 1965 en 1997. Alors là, nous allons entrer dans le cycle de ce que moi j'appelle la déconstruction de notre propre idéal. C'est suite de la sélection faussée, la sélection de l'élite faussée, une sorte d'inversion des valeurs. La récompense maintenant au...